Chers amis, au nom de l'ensemble des jeunes de l'UDI, je souhaitais vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2020. 2019 a été une année passionnante. Nous avons mené une campagne européenne enthousiasmante et optimiste aux côtés de notre président Jean-Christophe Lagarde. Nous avons porté partout sur le territoire, avec notre minibus, des idées novatrices. Nous avons été présents à Tours, à Saint-Étienne, à Toulon, à Lille, à Valenciennes, à Douai. Nous étions là pour porter l'idée d'une Europe plus démocratique, plus proche des peuples. 2020 s'annonce une année tout aussi passionnante. Ce sera l'année des élections municipales. Partout sur le territoire, vous verrez des jeunes de l'UDI engagés. Nous avons travaillé, dès le mois de novembre, sur notre projet Génération UDI 2020. Le projet des jeunes de l'UDI dans leur commune qui vont défendre nos valeurs aux côtés de nos candidats. Ils seront partout, encore, sur le territoire. Nous souhaitions aussi continuer à nous engager autour de notre président, Jean-Christophe Lagarde, qui anime et fait vivre le débat national aujourd'hui en France. Il apporte deux éléments qui pour nous sont fondamentaux. Tout d'abord, la raison. Dans une société toujours plus clivée, toujours plus extrême, toujours plus morcelée, Jean-Christophe porte un message de rassemblement. Et puis, il apporte aussi de l'imagination. Jean-Christophe apporte au débat des idées novatrices, des idées qu'on n'a pas encore écoutées, qu'on n'a pas encore vues ailleurs. Et nous sommes heureux et fiers d'être engagés à ses côtés. Alors, c'est avec bonheur et avec joie qu'au nom de l'ensemble des jeunes de l'UDI, je vous souhaite une très belle année 2020. Être écouté, c'est bien. Être entendu, c'est mieux.